mais j'étais scout. J'y suis rentré à 13 ans. Et puis vers l'âge de 16-17 ans, je faisais déjà pas mal de dessins. Et depuis 1927 à 1950, j'ai été l'illustrateur officiel des scouts de France. C'est-à-dire que j'ai illustré la revue scout, plus les éditions scout. Donc, je campais, je faisais des grandes sorties. Et puis quand je revenais, ben, j'avais des quantités d'idées pour faire des illustrations. Alors voici un exemple, par exemple, voici un exemple, c'est les différentes façons d'apprendre à faire des nœuds. L'humour, des choses sérieuses aussi. Voici quelque chose, ça c'était humoristique. Voici le dessin d'une couverture. D'une couverture de la revue. Alors là c'est plus sérieux. Alors c'était le principal de mon travail pendant des années et des années. Puisque j'ai démarré pour illustrer le scoutisme, ben on n'est pas tellement triste chez les scouts. Alors pour ce qui est de l'humour, ben oui, j'ai fait aussi des dessins humoristiques parce que j'avais envie d'en faire. Généralement, non, mon dessin n'est pas triste. Ça m'a entraîné à travailler dans la collection Signes de Piste, qui au démarrage était une collection qui était faite uniquement avec des romans scouts, et puis qui ensuite a évolué et s'est écarté du scoutisme. Les illustrations Signes de Piste au démarrage étaient faites au trait en noir et blanc. En voici une par exemple. Et puis lorsque il y a eu des modifications techniques, on a fait des dessins en simili. Le simili, c'est-à-dire du lavis. En voici une illustration intérieure en lavis. Et puis voici maintenant une couverture en couleur d'un signe de piste. Celui-ci d'ailleurs, je ne m'en souviens pas le titre. Ah bah si, c'est écrit derrière. Rore et les pillards. En voici une autre. Ça s'appelle... Bah là, c'est pas écrit derrière, j'en sais rien. Non, je ne sais pas quel est le titre. La plupart du temps, les auteurs, c'était des copains. Donner des idées. Et donc, j'étais entièrement libre de faire ce que je voulais, mais j'aimais bien connaître l'auteur de façon à travailler avec lui. Alors ça, des signes de piste, si on veut, des masses et des masses. Donc des signes de piste, j'ai travaillé longtemps pour la collection Marabout. Le personnage le plus important des collections Marabout, c'est un certain Bob Moran. Je lisais pas les textes. C'était pas possible puisque le bouquin n'était pas paru. C'était un éditeur belge qui me disait, ben voilà, il faudrait représenter Moran avec une chemise déchirée, en train de se battre, il est dans le désert, il se bat contre un lion qui lui saute dessus, c'est au lever du soleil, voilà, pour le mieux. Alors je faisais le dessin. Voilà. J'ai moi-même une grosse documentation. Quand je me suis spécialisé dans l'illustration, il faut avoir de tout. Maintenant, je me sers beaucoup de documents photographiques. Alors, j'ai toute une collection de photographies sportives, de tout, de tout. Je découpe ça dans des revues, je découpe ça un peu partout. Par exemple, un dossier dans lequel j'ai découpé des têtes. Des têtes de gosses, des têtes d'hommes, des têtes de femmes. Et quand j'ai besoin d'une tête, voici une qui a pas mal servi. Etc.